Eh bien, salut les gars, c'est Pedro. Eh oui. C'était. Eh oui, je vais. On est sur Assassin's Creed Odyssey. Et je viens de me rendre compte d'une chose. Une chose que j'avais pas prévue avant. Vous vous souvenez de là où on a recon là où on était sur le territoire de Corinthe, à côté de Mingris. Eh bien, faute d'aventure, l'aventure qu'on m'a faite n'est pas encore pour, n'est pas encore à mon niveau. Oui, il faudra maintenant que j'arrive à être au niveau 20, 20, 21, entre 20 et 21, pour que je puisse le faire. Alors, vous savez quoi? On va quitter Corinthe et on va dans la ville des pirates. On va voir la pirate Xenia. Qui se trouve? Attendez que je me rappelle sur la carte. Attendez que je me rappelle sur la carte parce que là c'est un peu dur. Et le chargement est long, je sais. Alors. Oups, j'ai fait tomber là. Alors, attendez. Et voilà. Alors, Attique, il est Chaos. Elle se trouve sur la baie de Chaos. C'est pas une baie, mais plutôt une sorte. C'est une île. Et là, nous sommes à Corinthe. Toujours. La carte est toujours avec un K, mais avec un C. Mais moi, je dis avec un K. C'est Corinthe. Corinthe, c'est un K avec C. Que ce soit avec C ou K, c'est Corinthe. Et nous allons sur la baie de Chaos. De Chaos, je veux dire. Pas de Chaos. Qui se trouve juste ici. Et par chance, j'ai fait une synchronisation. Ouais, sinon ça a été sinon ça aurait été dur de d'aller. Je croyais avoir avancé un peu dans le jeu, mais faute de moi, j'ai fait que empirer. Alors, Chaos, il est à côté de Attica. Mec, qui est une ville peuplée de pirates. Peuplée de pirates qui voudra la mort de d'Alexios. Enfin, ma mort. Mais c'est bon, là, je suis. Et vous savez aussi que on peut. Il Que faut monter la si. garde dans les environs. Après qu'on rencontra Xenia, vous savez, après qu'on rencontra Xenia, on peut avoir un bateau pirate. Je suis sérieux. Bon, combien il y a de gardes? 19. Et là-bas, attendez, je vais mettre la mission. Ça, c'est juste les épreuves de la quête bleue. Voilà, regardez, là c'est le niveau de jugement divin. C'est des dieux. Et là, c'est la séduction en la séduction d'un frère.
Enfin bref. Odyssée. Hors la loi. Non. Attendez, je vais. Lors de son périple visant à découvrir où se trouve sa mère, Alexios cherche à rencontrer. Non. Ah, voilà, Xenia. L'île d'infortune. Et c'est précisément là. Non, là, ici. Et on doit y aller le pas. Mais attention! Après, on va. Après, on va voir Arpalos. Mais attention! Les pirates vont être. Attendez, j'ai ok. C'est vrai. Alors, les pirates vont les gens, les gardes, enfin les gardes qui sont ici, sont peuplés de pirates. Et les pirates sont pas plus cruels. Mais ils font ça pour protéger leur lieu. Genre, là, non, là c'est un cochon. Attendez. Attends. Non, en fait, c'est un sanglier. En fait, cochon, sanglier, c'est. Je me demande si je peux pas. Non, je peux pas. Alors, je reste vigilant. Au moindre faux pas, je suis mort. Est-ce qu'il y a des gardes? Non, Icarus ne peut pas. Je reste en mode discret parce que c'est le mieux que je puisse faire. Oui! Vous vous rappelez David? Vous rappelez la vidéo où j'ai fait oui avec le filet qui conduit à l'autre île. C'était hyper marrant. Hein, vous trouvez pas? Oh non. Il y a un. Ah non, ça j'en veux, mais où est son porteur? Bon, ça va, si je continue. Si je continue comme tout droit, comme ça, sans. En évitant les gardes. Attendez, je me gratte l'oreille. Voilà. Voilà, je me suis gardé l'oreille. Et. Si je ne vois pas de soldats ici, seulement des pirates. Ils doivent tenir toute l'île. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit que c'est exactement ce que je disais. Alors, là, un villageois, un chien. Oh, un garde. Un général qui se prend pour un garde. Enfin, qui a un casque spartiate. Je reconnais pas les Spartes. Les rouges là, je reconnais pas Sparte et pirate. Oula! Oh non. Oh, bordel. Allez, attaque moi. Hop. Aïe. Faut te manœuvre. Raté.
coupe les Spartans. Oula. Et oui. Coup de lame. Attention, mon coup. Attention, je vais faire mon attaque spéciale. Attaque spéciale. Aïe, raté. Attaque spéciale. Lame fauteur. Attaque spéciale. Lame fouettard. Ouais, c'est comme... ouais, je peux l'appeler comme ça. Coup de pied Spartan. Sors, je tourne. Allez. Ah. Aïe, aïe. Charge tour ironique. Coup de pied Spartan. Et bim. Tranchant. Aïe. Coup de pied Spartan. Et swing. Oh, son épée vient de s'envoler en l'air. Oh, aïe. Où est-ce? Aïe, ya. Voilà comment on bat un pirate chez les Spartes. je le recrute ou pas? Ok, je vais plutôt le... BIM! Ouais, je... Ah! Un autre! Je me demande si je peux pas... Non. Désolé les chiens. Ah, ça va coûter des flèches. Bon, il est quelle heure? 11h47. Je vais remettre d'un plan. Après la cinématique, je vous laisse. On va faire... on va repartir comme ça. Veillons à Icaros qui pourra veiller à ce que personne ne nous remarque. C'est bon, personne. Alors, là, je crois qu'il faut repartir là. Et allez, bouille, zoubla. Alors, primo, mon casque. Parce que dans la conversation, on voit pas mon casque. Alors, je mets le couvre-chef. Et j'essaierai de faire monter le niveau du casque du loup. Du loup de Sparte. Vous reconnaissez, hein. Ah, mais lui... Mais ça, je vais plutôt... Ça, je vais plutôt les retirer. Voilà. De ceux que je n'ai rien à faire, je les retire et... Tiens, ça, c'est pas grave.
Ça on peut pas, ça... Pas grave. Ça... ça reste. Ça... Ça va pas. Ça, de toute façon, c'est ici, donc... Non. Ça, on peut pas. Ça aussi. Ça, on peut. Non, en fait, non. Ça pourra servir. Bon, je le coupe à la sémantique. On se retrouvera... on se retrouve après la cinématique. Après on se coupera ici. Après on se laissera à la fin. Et waouh, il y a des morts. Je vous souhaite un bon après-midi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me faire un commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo que je ferai aujourd'hui, mais dans un autre heure. Allez, je coupe mon micro et je vous dis salut. Ayez pitié! À qui demandes-tu pitié? Ah! Tous ceux qui font le commerce d'esclaves sur mon île seront eux-mêmes marqués comme esclaves avant d'être envoyés en Attique pour nourrir l'institution dont ils voulaient profiter. Emmenez cette vermine loin d'ici. Je croyais que tous les pirates vendaient des esclaves. Et tu es ? Je m'appelle Alexios. On dit aussi que tous les pirates sont des meurtriers, Alexios. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer. On m'a dit que tu vendais des informations. Entre autres choses, oui. Je cherche quelqu'un. Entrer dans ma ville en tuant mes hommes est une drôle de manière d'entamer des négociations. Je m'attendais à ce qu'on me refuse l'entrée, et je n'ai pas de temps à perdre. Vas-y, parle. Je suis à la recherche d'une femme. Elle a quitté Sparte quand j'étais enfant. Essaie d'être plus précis, Alexios. Elle a sur le bras des taches de naissance qui ressemblent à la constellation de l'Aigle. Voilà qui est déjà plus utile. Et qui est cette femme, au juste ? C'est ma mère. Je ne l'ai pas revue depuis mon enfance. Si je comprends bien, tu cherches à retrouver ta famille. Quelque chose comme ça. Tu as choisi un chemin difficile. C'est Aspasia qui m'a envoyé vers toi. Aspasia ? Pourquoi aurait-elle fait ça ? Elle a dit que tu pourrais avoir des informations qui m'aideraient dans mes recherches. Tout est envisageable, si tu as les moyens. Et quel serait ton prix ? Tu as tué quelques-uns de mes hommes. Ce genre de crime suppose une compensation. Pourquoi as-tu besoin d'une somme pareille ? J'ai une ville à défendre, des gens à protéger. Je n'ai aucune envie de partir en guerre. Je veux seulement que la guerre ne vienne pas jusqu'ici. Je ne suis pas du genre à avoir autant d'argent. Je trouve ça étonnant. Tu es Mystios à prêter. Et qu'est-ce qui me prouve que tu pourras la trouver ? Je sais déjà qui est Myrine. Comment connais-tu son nom ? Je sais beaucoup de choses. Trouver autant d'argent ne va pas être facile. Tu as un navire et un équipage ? Ça suffit pour trouver du travail ici, à Corésia. Et il y a une montagne de drachmes dans le fort, de l'autre côté de l'île. Tu veux que je sois voleur sur l'île où tu vis ? Les autres habitants ne nous aiment pas, nous les pirates.
Leur chef a amassé une vraie fortune. Sans argent, il sera moins tenté de faire des bêtises. Ne t'en fais pas. Tant que tu travailleras pour moi, tu seras l'un d'entre nous. Ça ressemble bien aux pirates d'exiger une montagne de drachmes. Si je veux la payer, je vais devoir trouver du travail sur cette île.